faut regarder ce que tu fais. Ton antivol, tu sais où il est pour le vélo? Ouais. Tiens tes clés là. Antivol! Crie pas, Alexis. Bah non. Tiens. Et demain, je veux pas que tu partes sans ton antivol. D'accord? Calme-toi. Mon David. Tu cherches quoi? Le téléphone. C'est quoi cette installation? Donc ce soir, David il va se foutre de moi alors je ne sais pas. Après il m'imite, il fait bonjour à tous. Hein? Il y a que ça comme pas? Non, il y en a encore. Ah, je préfère. Non, il y a que ça. Je rigole. Donc ce soir on remange une pizza chèvre. C'est pas une Sodebo, c'est une Carrefour. Et on va mettre du miel dessus. Mmh. Moi, j'en prends pas celui-ci. Et ben t'en prends pas. Le stick. Vous êtes en vacances. Bon, moi je suis en vacances cette semaine. Enfin, pas demain, mais. Bah, tous les primaires, on sont en vacances. Arrête, ils sont en vacances en même temps. Obligé? Par contre, tu te mettras ailleurs, Alexis. Là, tu prends toute la place. Hein? Pourquoi tu te mets là? Pourquoi tu te mets pas dans ta chambre? Dans ta chambre, ça peut charger aussi. Je vais aller là-bas. Puis hier, je vais aller tout à l'heure. Attention, c'est emmêlé. Qu'est-ce que je cherche? Pizza. Non, l'eau, je l'ai mis. En ce moment, il m'agace parce qu'il fait attention à rien, il est bruyant, il tape dans tout. Ça m'agace. Il arrête pas de crier et tout. Putain. Je pense que là, vraiment, les vacances sont plus que nécessaires. Pour tout le monde. Voilà. Donc la pizza, elle est là. Je vous montre parce que on sait jamais, des fois vous n'ayez jamais vu de pizza de votre vie. Mmh. Il y a toutes les fruits. Hop. Mmh. Et donc dessus, on met du miel pour faire une pizza. Je te ramène. C'est trop bon. J'ai faim ce soir, j'ai rien à bouffer en plus. Hop, il y a du bon pain en plus, enfin bon, avec le pizza, j'ai pas de pain. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce soir, je pense. On va rien faire de transcendant, on va manger, il est vraiment pas tard, là, il est 7h05, donc on est au taquet. Moi généralement on est dimanche soir, mais j'aime bien manger de bonne heure. Parce que comme ça, après, on a la soirée. On a pas mal de temps la soirée. Enfin, Alexis, il peut faire. Enfin, on a du temps, quoi. Avant de se coucher, que ce soit Alexis ou nous. Nous, on se couche plus tard. Ça, je ne pourrais pas manger à 8h, puis aller au lit à 8h30. Pour Alexis, enfin, maintenant, c'est plus 9h que 8h30. Mais. Voilà, par contre, le week-end, voilà. On est un peu plus olé-olé, là, au niveau des horaires pour manger. Enfin. Donc voilà, bon, j'ai parlé 4014 pour rien dire, c'est magnifique. Magnifique. Je vous fais des bisous et je vous dis bah, soit demain, soit plus tard, soit on sait quatre, soit. Bonjour. J'arrive pas à régler, comme d'hab. On est lundi 3 juillet. On tient le bon bout hein, pour les vacances scolaires. Hein. C'est la dernière semaine d'école. Pourquoi ça tient pas là, comme je veux. Souple. Je sais pas si comment vous me voyez. Pas voir mon volant. Bref.
Donc dernière ligne droite pour les vacances scolaires, ils sont en vacances à la fin de la semaine. Donc cette semaine ils vont rien faire, hein, pour vous dire. Donc c'est strictement la semaine qui sert à rien. C'est une fatigue. Voilà, bah nous ça va être. Moi ça va être une journée normale au boulot, rien de transcendant, bien qu'il y ait une amie qui, enfin une amie, une collègue qui est. Absente aujourd'hui, mais normalement ça devrait le faire. Alors j'ai cassé un petit truc de mes lunettes là, le truc du coin de l'œil là, ce matin, donc je pense qu'elles vont glisser toutes les 5 minutes. Déjà que je les touche pas mal. Alors je vais garder le petit bout. Je vais voir si David il peut me bricoler quelque chose, s'il peut me faire quelque chose ou pas, sachant que bah. Toujours que j'ai mes lunettes sur moi. D'ailleurs, il va falloir que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo parce que je ne vois plus rien. Ah, mais vous êtes cadré bizarre, quoi. Ah, mais toi, tu me laisses passer là. Des fois, j'arrive à cadrer bien. Bon. Je comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Il va falloir que j'aille chez l'ophtalmo. Je pense que je vais prendre rendez-vous. Je vais voir si. Je vais aller sur le site de Doctolib là. Parce que je n'ai pas d'ophtalmo attitré du coup. Donc je vais en trouver un pour le mois d'août. Il peut y en avoir un qui est là au mois d'août. Ça, si je prends rendez-vous maintenant pour le mois d'août, ça peut peut-être le faire. Quoi qu'il y en a plein qui ne prennent pas de nouveaux patients, mais bon. S'ils sont sur Doctolib normalement. Donc voilà. Et après, je pense qu'il va falloir que je change de lunettes. Donc, de verre quoi. Je vois plus de près quand c'est écrit en tout petit, genre sur les trucs d'emballage, enfin sur les. Je vois pas, je suis juste de soulever mes lunettes pour voir. Ça, c'est normalement, ça me sert. C'est, je suis myope de. Enfin, je vois plus pas de loin, mais là, de près, ça va pas non plus. Quoi. Je vieillis, mes amis, je vieillis. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vous reprendrai certainement ce soir, même si. Comme c'est la semaine, hein, c'est une semaine de travail normale, il ne se passera rien de transcendant, donc ce sera sûrement que du blabla. Mais c'est pas grave. À plus tard. Hello. Je suis rentrée. Je suis toujours avec mon téléphone là parce que mon appareil photo est en haut et que je ne suis pas encore montée. Bon, c'était juste pour dire que j'étais rentrée. il fait un super temps ça, aujourd'hui finalement. Je n'avais pas regardé trop la météo, donc je ne savais pas trop quel temps il allait faire. Donc, il fait 27 degrés. Donc, c'est plutôt génial. C'est bien, bien, tout bien comme temps. J'ai déjà reçu au courrier, là, j'ai reçu les inscriptions pour l'année prochaine, là, pour le périscolaire, tout ça. La cantine, tout ça, apparemment, on peut faire en ligne. Donc, je vais regarder ça. Je sais pas trop si je vais le faire ce soir ou ce week-end. Faut que je regarde la date de... Comment ça s'appelle ? La date de fin de truc. Date d'échéance. Voilà. Si c'est pour éviter de me pointer là-bas au truc et... de ramener les papiers... Donc sinon, chaud quand même. Pour se m'activer dans tous les sens. J'ai été juste à Copsy Market là. J'ai pris des abricots. J'en ai pris 6, il y en a 2 autres là. Ils ont l'air super beaux, super bons. J'ai pris deux bien mûrs et d'autres un peu bien mûrs, un peu moins mûrs pour les que ça soit pour demain, après-demain, tout ça. J'en ai pris que 6, donc ça dépend qui en mange ce soir, mais... Donc, voilà. Donc, là, je vais monter. Donc, oui, j'aurais pu aller chercher l'appareil photo, hein, mais... Quand on a la flemme, on a la flemme. Alexis est parti jouer avec ses copains. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'avais pas pensé à fermer les volets de la maison là-haut. J'espère que dans le chien, il fait pas trop chaud, parce que, du coup, ça a bien tapé cet après-midi. Je vais voir, ça a l'air d'aller, mais... Oh, ça va. Ça va, ça va. Ouais. De toute façon, ce soir, on va aérer. J'aime vraiment cette température parce que c'est pour moi, c'est la température idéale. Oh.
Voilà, même si j'ai chaud là parce que je m'active et que voilà, mais sinon voilà. Que voilà, sinon voilà, et puis voilà, 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 voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je pense que je sais pas trop si je vais clôturer le vlog là ou quoi. Parce que je sais pas où j'en suis du tout. Je crois que je dois avoir au moins 10 minutes. Au moins. Donc je pense que je vais clôturer. Je vous fais des bisous. Et bah, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao.